Je suis optimiste. Je suis optimiste que nous sommes aujourd'hui bien placés pour affronter l'avenir et ses défis. Je suis très, très, très heureux que les Australes vont aussi bénéficier demain de leur câble. Nous aurons réussi à câbler toute la Polynésie, les Tuamotu, les Marquises avec Ngāti Tuanau et Ngāti Tua Sud. Ça va commencer, je pense, d'ici la fin de l'année. Avec cette crise sanitaire, nous sommes restés loin les uns des autres pendant pratiquement un an, où on n'a pas pu rencontrer sinon dans des réunions. Donc c'était important que nous rentrions sur le terrain. C'est la raison pour laquelle le premier conseil des ministres de 2021 s'est tenu donc à Rieter. Et troisième conseil des ministres ici à Toubouaï, et je pense effectivement au début d'année aller à la rencontre et des maires et des populations afin de discuter avec eux sur les besoins de ces communes. D'autre part, il est important aussi pour le gouvernement d'ores et déjà, puisque les budgets sont votés, les plans de campagne sont en voie de préparation, il est important aussi pour le gouvernement de dire aux maires de dévoiler devant les maires les plans de campagne, les différents plans de campagne pour les îles de l'archipel. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs se sont joints à nous aujourd'hui et le maire de Rehovei, le maire de Marimatara et Rurutu. Il manquait Kerapa, mais vous savez, Kerapa est très loin et des difficultés de communication. Les Australes sont potentiellement un grenier pour la Polynésie française. Vous savez que beaucoup de choses sont plantées aux Australes, les pommes de terre, les carottes, les oignons, toutes les variétés de légumes. D'autre part, le climat des Australes permet de planter certaines choses qui poussent dans des pays plus tempérés. On a besoin à ce niveau-là d'une réorganisation. Je crois que le potentiel est là. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est organiser les différentes coopératives ici à Toubouaï. Ils ont besoin d'être accompagnés. En tous les cas, ce qu'il faut constater ici aux Australes, c'est que les gens sont volontaires et veulent cultiver la terre. Vous avez entendu les chiffres qui ont été annoncés. Il y a aux Australes, on estime à peu près à 7 à 8 % de chômeurs. Ça veut dire effectivement que la plupart des gens sont au travail et veulent travailler.